Salut à tous. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre et la petite photo de la miniature, on se retrouve pour un unboxing spécial de l'armurerie d'Auxerre. Voilà, l'armurerie d'Auxerre que je vous conseille vraiment. Il y a un très bon site, c'est vraiment des grands professionnels. Il y a du choix, il y a des super prix. Donc, allez, tout de suite, on va se déballer le colis qu'on a reçu de chez eux. Allez, hop, tout de suite. Alors déjà, quand on ouvre le colis, il y a un petit cadeau, il y a une casquette. Ça, c'est super. Un grand merci à eux. Et sinon, voilà ce que je vais vous déballer. Voilà. Le Colt. De chez Humarex. Au CO2, en calibre 4,5, à plomb, et non pas à billes d'acier. Allez, on va se le déballer tout de suite. Et là-dedans, on a des boîtes de plomb que je vais vous montrer aussi. Allez, à tout de suite. Allez, voici vite fait donc le contenu du paquet. Donc le fameux Colt. Donc fabriqué par Humarex. Donc au CO2 en calibre 4,5. Honnêtement, hein, il est vraiment superbe. Là, il y a vraiment, il y a du poids, il y a vraiment, c'est du super matos. Vraiment très très content. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter celui-là et là j'ai profité d'une promotion. Je vous mettrai le lien de l'armurerie hein, si vous voulez faire une commande, n'hésitez pas. Vous verrez, il y a du super matériel, il y a des super prix. Voilà la boîte. Alors, il existe en version bille d'acier, mais moi je préfère la version avec les plombs. On a un peu plus de choix, au moins dans les plombs. Je trouve que c'est un peu mieux. Et du coup, là j'ai pris un petit assortiment de plombs. Donc, j'ai pris des Swiss Arm en 4,5. Donc, à la limite, je les testerai ceux-là dans le pistolet. Ça fait un bon petit plomb de peau. Un bon plomb de base, pas trop cher. Là, j'ai pris des X-Magnum de chez Steiger. Alors ça va être pour les carabines, hein, parce que ça, c'est du plomb en 0,75 grammes, c'est plutôt lourd. Je crois que ceux-là sont en 0, il me semble 0,45, je ne sais plus exactement. Peut-être 0,45, 0,48. Donc là, les Steiger, c'est vraiment pour les carabines. J'ai repris du 5,5 avec les TS-22 de chez Gamo, là. Et les Gamo Hunter en 6,35. Ceux-là, je vous en ai déjà parlé, là, des Gamo en 6,35. C'est ceux que je préfère, moi, dans ce calibre-là. Pour tirer sur les boîtes à cancer, ça va très bien. Et donc, les petits cadeaux qu'il y avait dans le paquet, ça, c'est très sympa. Surtout la casquette, vraiment chouette. Et le chien là-bas, qu'est-ce que tu fais? Il vient faire son inspection lui aussi. Donc vraiment, le Colt. Vraiment très très content du Colt. Donc celui-là, on vous fera une vidéo pour les essais. À mon avis, ça va être pas mal. Il est vraiment vraiment une belle finition pour la capsule de CO2. Vous voyez, elle est dessous. Vraiment très content. Donc le Colt, il est fourni avec 6 fausses cartouches qui prennent place bien sûr dans le barillet. Alors pour les enlever, vous avez la petite fenêtre qui s'ouvre là sur le côté. Avec bien sûr l'extracteur sous le canon, hein, comme sur le vrai. Et là dans les fausses cartouches, eh bien on insère le plomb à l'arrière. Voyez. Et là, c'est en métal. Hein. Je peux vous dire que ça fait son poids aussi. Hein.
Enfin, c'est vraiment une superbe réplique, on va dire. Et c'est un très joli pistolet à plomb. Je crois qu'il tape un peu à 3 joules, hein, il me semble, en puissance. Mais à la limite, la puissance, on s'en fout, là, c'est la beauté de l'objet, et voilà. On a de quoi se prendre pour John Wayne avec ça. Allez, salut tout le monde et à bientôt pour la prochaine vidéo. Certainement pour des essais de tir avec ça. Ça sur les boîtes à conserve, à mon avis, on va s'amuser. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.